Bonjour maître. Bonjour HBL International. Ok, vous êtes connu un peu partout, mais un petit rappel, ça fera du bien. On vous appelle comment maître? Moi, c'est le maître Sarama Oudradeuse. Dans d'autres termes, on m'appelle maître Oudra. Voilà, maître Oudra. Vous êtes vraiment connu. Hein. Mais maître Oudra, vous êtes donc le dirigeant de quel club? Je suis l'entraîneur de l'école des arts martiaux royales, parce que ce n'est plus un club. Parce qu'on exerce plusieurs sports. Là, au club, donc, c'est pour cela qu'on ne peut plus appeler club, on appelle maintenant l'école des arts martiaux. L'école des arts martiaux royales. Mais maître, j'ai vu donc y a le public ici, dans l'école des arts martiaux royales, que Dieu veut par vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé comme événement? Aujourd'hui, c'était la cérémonie des ports de ceinture. Oui, on tend vers la rentrée, donc il fallait au moins faire quelque chose, parce que les enfants qui quittent au niveau de vacances pour aller à l'école, on doit quand même faire quelque chose pour eux. Dans leur tête, ça reste que non. J'étais peut-être ceinture jaune ou orange, je suis passé au ceinture supérieure. Ouais, ouais. On a profité de faire la cérémonie pour la rentrée qui approche. Ok, je sais que vous êtes l'organisateur de cet événement, mais comme on dit, et vos Mékins, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient venues, des collègues maîtres et des collègues du travail et autres. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire comme le remerciement auprès des personnes qui vous ont rendu service de l'assistance? Non, vous voyez, quand vous invitez quelqu'un, il prend son temps pour venir, ça marque un signe de reconnaissance dans mon cœur et le club. Nous disons merci pour les invités qui ont disposé leur temps pour venir nous assister ici à Ibaliko. On est ici à Ibaliko. Ibaliko, ça se trouve déjà où? À Masengo. C'est le quartier Itatolo, appelé Ibaliko Village. Ouais, ouais. Ici, il y a deux Ibaliko. Ibaliko Domaine et Village. Donc, vous voyez là, on est à Ibaliko, au centre de Masengo. Oui. Ok. Mais vous donnez donc ces remerciements à quel genre de personnes? Quand vous le remerciez, il faut citer au moins le nom de deux ou trois personnes que vous avez vraiment aimé leur présence dans votre événement. Mon maître Chando, qui m'a fait connaître ce sport. Deuxièmement, je remercie les maîtres, parce qu'ils sont là, les collègues de service et autres. Donc, comme les maîtres Isma, les maîtres Bara, les maîtres Grasse, ils sont là, donc je les remercie. Et en même temps, je passe mes remerciements à ceux qui avaient reçu l'invitation. Ils n'ont pas eu le temps de venir nous assister. Et encore mes remerciements à la magazine HB International. Voilà, Brazza Sport Magazine. Brazza Sport Magazine qui ne cesse pas à nous éclairer, à nous donner la lumière. Donc, je lui remercie. Voilà. Ok, nous te remercions très fort, fidèle téléspectateur de la chaîne Brass Magazine. Avec HBL International, maître Oudra, nous te disons tous au revoir. Merci beaucoup. Ok. Bye. Bye.